Pas, monsieur le directeur. Enfin, faut me les chercher, c'est pour me voyons. Allons. Oui. Par là, voyons. Ne vous impatientez pas, mesdames et messieurs. Les phénomènes ont bien le droit d'arriver de temps en temps en retard. Ils sont pas faits comme nous. Ben, faut pas chercher à comprendre. Ben, c'est pas fait pour être compris. Sans quoi ou qu'on irait, je vous le demande. Ah, mesdames et messieurs, je vous présente maintenant un miracle de la nature. Les deux jumeaux. Les jumeaux, mademoiselle Zouzou, que voici, et monsieur. Les savants les plus éminents y ont perdu leur latin. Ces deux jumeaux, mesdames et messieurs, sont venus au monde il y a 10 ans aujourd'hui, dans une île de l'archipel polynésien. Leurs parents, une chinoise et un fou rouge, n'ont pas voulu les reconnaître, vu qu'ils n'avaient pas la même couleur qu'eux. Mesdames et messieurs, un petit salut, les jumeaux, un petit salut. Voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, vous verrez ensuite le corps de ballet de l'établissement que les impresarios les plus fameux de la République argentine ont voulu nous arracher à prix d'or. En avant la musique. Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes pas encore au lit. Papa Mélé, Zouzou ne veut pas croire qu'on est des jumeaux. C'est pas la même cigogne qui nous a apporté. Et si,
c'est la même cigare ici. Seulement, cette grande maladroite t'a laissé tomber dans la cheminée. Pourquoi elle n'a pas fait de voyage, la cigogne? Pourquoi? C'est bien notre papa, dit. Eh bien, bien sûr que je suis votre papa. Mais alors, le père à Zouzou, c'est mon père à moi? Vos deux pères à vous, c'est pas la même chose. Voyez-vous, mes petits, un père, c'est un papa qu'on n'a pas connu. Alors, on peut avoir deux pères? Ah, deux pères... Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon père, quand il est mort? Je te l'ai dit 100 fois, oui. Oh, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit, écoute... Moi, je n'ai pu être que son père, mais toi, son papa. Et le mien, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, le tien, il m'a dit la même chose, seulement avec ses yeux, le pauvre, car il ne pouvait déjà plus parler. Avec quels yeux! Ah, quand il les roulait comme ça, il faisait péter de rire tout le cirque. Ah, je le verrai toujours, avec son habit rouge, sa culotte de soie boucle et ses bas de demoiselle. Il était tellement célèbre qu'il passait toujours en fin de spectacle. Oui, même après le numéro équestre. Mais le mien est passé à la fin aussi. Mais oui, mon petit, mais oui, lui aussi. Rien que leur nom sur une affiche, enfin le nom de vos deux pères, suffisait à remplir des salles. Oh, je me souviens un soir, Amsterdam. Non, c'était à Turin. Tu ne mouriras jamais, hein, toi, papa Mêlé. Quand je serai mort, Jean ne te quittera pas, je te le promets. Il t'emmènera partout avec lui. Ah. Allez, dormez bien, mes petits. C'est joli. Ça, c'est joli. Je vous donne pour 50 francs, madame. 50 francs, c'est trop cher. 25. Ça va? T'en as une 15. Ça va? Oh, je vous donne. Ah, tu me la donnes pour 15. Tiens. T'en veux un aussi? Oh, ben oui. Ah, donne-lui un, ouais. Voilà. Ah. Oui, mon petit bonhomme. Oui, ça va. Merci, chérie. Tu n'as pas de quoi, ma fille. Qu'est-ce que c'est que ça, Zouzou? Ah, c'est ma sœur. Dis donc, t'es sûr que je suis pas ta cousine? Non, non, non. La danse dans le sang.
parti comme ça. Où c'est qu'il est, le clown, maintenant? Il est mort. Les clowns ne peuvent mourir aussi? Mais oui. Cigogne de tes voyages, que m'apporteras-tu? Yadadadam, yadadadam, yadadadadam. Cigogne, mamie, cigogne, chérie. Yadadadadadadam. Et maintenant, la cravate. Hop. Hop. Comme ça, c'est gagné. Sacré Zouzou. Papa, il y a Zouzou qui m'a fait un cirque. Sacré Zouzou, oui. Bonjour, M. Foucault. Tiens, on dit, tiens. Merci, papa. Mais c'est Jean. Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Il revient. Mais dans 10 jours. En permission? Non, il a fini son service. Pas possible. Ça fait déjà un an qu'il est parti. Bonne mère, comme le temps passe vite. Sacré Jean. Quand il est parti, tu te souviens, il était comme un fou, un vrai jambard. Si on l'avait laissé faire... Il aurait vu la mer jusqu'à la dernière goutte tellement il aimait. Et maintenant, il se languit. Et il compte les jours. Ce pauvre fada. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Coquin de sort, avec toi, on vieillit vite. Là. Bonsoir, Zouzou. Jean. Oh, c'est toi. Quel bonheur.
tu es-tu mouillé? Eh oui. Papa Mélé! Papa Mélé! C'est Jean! C'est Jean! Non! C'est Jean! Oh. Oui! Bonjour, oh, petit père! Qu'est-ce que... Mais tu es tout salé! Qu'est-ce qu'il y a? Il pleut? Mais non, c'est de l'eau de mer! Oh. Mais on ne t'attendait plus! Eh ben, je comprends, je suis embordé, j'ai sauté par-dessus bord. Oh, Jean, c'est le conseil de guerre! Eh, penses-tu encore quelques jours de robe en plus, puis c'est la glace? Vite, déshabille-toi! Oui! Mais tu te trouves? Ben non, pense. Mais oui, je te dis, moi! Raconte-moi, Jean! Hein? Non, vaut mieux que tu me racontes après! Oh. Allez, ça y est. Dis donc, Jean. C'est beau, Mani? Bon, Mani, c'est Mani. Si tu savais qu'on t'attendait. Oui. Et puis, tout à l'heure, quand on m'a dit que tu ne descendais pas. Elle voulait aller voir l'amiral. Ben, elle l'aurait bien reçu, l'amiral. Mais qu'est-ce que tu as? Ah ben, c'est un tatouage, c'est une dame. Ça t'a fait mal? Ah oui, mais dis donc, c'est joli. Qui est cette femme? Pour n'importe laquelle. Si j'avais voulu, pour le même prix, je pouvais avoir un crocodile. J'aime mieux le crocodile. Allez, mais ça va. Oh, ça fait du bien d'être chez toi. Eh ben, profite-en, on va pas y rester longtemps, tu sais. On va pas rester longtemps ici, pourquoi? Nous allons à Paris. Sans blague. Si, mais tu te souviens, le copain que j'avais à Paris, la Trouille. La Trouille. La Trouille. Ah oui. Oui, un ancien écuyer de Chérency. Eh ben, il m'a trouvé une place à Medrano. Veilleur de nuit. C'est pas mal payé, il paraît. Ah, mais attends, je vais te montrer sa lettre. Ah, non. Non, mais non, laisse donc ça, regarde, laisse donc. Tu veux un verre? Mais non, viens. Attends. Viens. Si on achetait les chaussettes pour le père Mélé. Mais non, viens, t'as bien le temps. Ah, oh, puis après tout, tiens, t'as raison, c'était une occasion. Bah, mon vieux, si tu dois te balader comme ça, à ta place, moi, je peux planquer. M'en fous, mon petit bonhomme, comprends-tu? 30 celles-ci, 10 francs. Tiens. Je vais boire un verre avec les copains, je rentrerai tout à l'heure. Bon, mais dépêche-toi. Oh, dis donc, elle est batte la petite créole. D'où elle sort? La Martini. C'est ta future, hein? Oh, vous rigolez. Elle le devient pour toi, quoi, ça crève les yeux. Et alors? Mais t'es fou, c'est ma sœur. Une sœur qui me la couche avec son frère. Oui, ben, et à la série avec vous. Vous m'excuserez, je... Garde-vous! Dis donc, vous foutez de moi, vous? Non. Saisis-vous votre permission? Ah, ma permission, je l'ai oubliée à bord. Vous l'avez oubliée à bord? Suivez-moi. Bon. Je t'attends. Bah, si t'as de l'impatience, tu peux t'asseoir. Moi, je vais avec mon ami. Aïe, 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 les vaches. Moi, je pense que je voulais faire faillot, là. Faut bien être dingo, ma parole. Et alors? Oh, Poirot, t'es là? T'as été fait aussi? Et alors? Bouteille. Ah, oh, mon petit bonhomme, ben dis donc, et qu'est-ce qu'on va foutre ici? On va faire une bonhomme. T'as les cartes? Et alors? Oh, ben ça gorge. Ah, ben t'as vu ça dans une pochette surprise? Ah, faut pas s'en faire, hein, mon vieux. On a même passé du bon temps, pas vrai? Mais il y a un truc qui me tracasse, c'est que j'ai pas pu voir Mimi. Mimi? Ah, ma petite femme, une toulonnaise, pur sang. Mm-hmm. Ah, un bijou. On va se marier tous les deux. Avec Mimi? Et alors? Après, adieu la flotte. Nous irons à Paris. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Ben, je suis machiste. Où ça? Au Folie de Paris. C'est un médical? Et alors? Hein? Je passe. Moi aussi. Donne-moi du cœur. Tiens, ben nous aussi, on va monter à Paris. Il y a le vieux qui a trouvé une combine là-haut. Hein? Et toi? Moi? Bon, je sais pas. Ah, écoute. J'ai connu un copain là, au théâtre.
C'était un électricien. Oh. Oui, mais je suis toute mouillée. Merci beaucoup, monsieur. Oh, mon petit chien-chien. T'es là? Tu m'as suivi? Va vite, alors. Tu veux venir avec moi à la maison, hein? Là. Voilà. Papa Béné, tu vois ce que je t'impose? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Mais c'est un petit chien. Il est beau, hein? Il est horrible. Oh. Mais comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. C'est un chien trouvé. Évidemment. Tu sais, il avait soif, le pauvre petit. Oui, et alors? Et alors, il avait soif. Ben, je crois qu'il a faim aussi. Oh, ça! Qu'est-ce que tu fais ta faim, mon petit chien-chien? Parle, papa. Ah, c'est tout, genou. fils. Couche-toi là. Petit père, Doudou est rentré. Oui, oui, il est là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chien. Il est beau, hein? Pas mon vieux. Il a dû être croisé entre un tabouret et un cochon d'Inde. Non. Et Zouzou, grouille-toi, hein? J'ai encore répétition ce soir. Oui, 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 tout de suite. T'as le journal? Oui, Zouzou, le journal! Voilà! Voilà! Je l'apporte. C'est celui de ce soir? Mmh. Eh ben. Oh, le journal aujourd'hui, c'est 5 sous perdu. Un petit déraillement, un banquier arrêté, une séance historique à la chambre, autant dire rien, quoi. Hé, Zouzou! Hé! Hey. T'es une jeune fille? Oui. T'as des prétentions modérées? Oui. Tu sais repasser? Oui. Mais c'est une devinette. Non, penses-tu? Tu veux être blanchisseuse? Ah, oui, alors. Bon, eh ben, viens voir. Tiens. Ah, oh, c'est bien, ça. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Leur linge. Oh là là, quel boulot! Zouzou, tu te dépêches! Dépêche-toi! Hé, hey, regardez ça! C'est le soutien de la grosse Josette. Il en a du boulot de ton vieux. Il n'est pas prêt pour ta retraite. Celle qui porte ça doit être joliment bien faite. Tu parles, c'est ta Barbara. Est-ce qu'elle est si jolie que ça? Demande à Zouzou, il paraît qu'elle connaît tout ce qui se passe aux folies. N'est-ce pas faite des enfants? Zouzou, tu la connais, la vedette? C'est quand la première? T'auras des billets de faveur? Laissez-la! Elle préfère qu'on lui parle d'autre chose. Est-ce que le cachotier, la Zouzou? Quand est-ce qu'on aura du linge comme ça? C'est pas malin, fait comme Barbara. Elle a un gigolo. Tiens, le voilà ton gigolo. C'est ça, Lévi. Fais pas la dégoûter, ben ça te va mal. Philippe, là-haut, là! C'est lui qui commandait les folies. Est-ce que vous en savez, des choses? Dans notre métier, on finit par connaître les sous à force de les repasser. Tu crois qu'il y a de l'amour entre eux? De l'amour? Pourquoi pas ça pour une fillette? Oui, quelle mauvaise langue. Une vraie vipère. Allez, les enfants, les paniers des folies en vitesse. Qui va les porter? Oh, j'en connais une qui ne m'affluerait pas. Pas possible. Ce qu'elles sont embêtantes, quand même. Oh, vraiment. Alors, tu y vas, Zouzou? Oui. Voilà pour Miss Barbara.
Barbara. Tu ne l'as pas vu faire sa petite Miss Barbara? Non. Oh, t'as rien vu alors. Allez, Zouzou, vas-y. Oh non, je ne sais pas. Mademoiselle, je vous en supplie, je vous en conjure, du nerf. Ah, ça n'est pas un cantique, c'est une chanson d'amour. Ah, comprenez-moi bien, une chanson d'amour. Vous entraille, mademoiselle, écoutez-moi, vous entraille. C'est pas à moi, pensez à votre amant, pensez à vos étreintes. Oh, allez, encore une fois, recommencez, la fin du refrain, s'il vous plaît. Allons. Chaque jour, je l'adore bien plus encore. Pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris, et c'est lui. Pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris. Bravo, Zouzou! Magnifique! Tiens, roulant. Allez, il va être 4 heures, il faut porter le linge au théâtre. Mais tu ne peux pas porter ça. Mon cher ami, oui, c'est de Barbara, mais c'est l'astre, désastre. Désastre, parfaitement un désastre. Nous courons au désastre. Quoi? C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Exactement. Oh. Combien vous a-t-elle coûté jusqu'à maintenant, votre Barbara? Oh, 5 à 600 000 francs. 5 à 600 000 francs, au moins. Mais pour ce prix-là, vous aviez une maison de campagne avec des peupliers séculaires, une rivière pour pêcher la truite, une chasse gardée et une maison de campagne, ça ne chante pas. Et vous l'aimez. Comment ne pas aimer une femme qui vous ruine? Oh, ça. Tu vois, c'est l'entrée de la scène, là. Bonjour, bonjour, Zouzou. Dépêche-toi. Jean est là? Mais oui, porte d'abord ton linge, je te le verrai après. C'est entendu. Il est tellement sauvage, tellement superbe. Quand il me prend, c'est un jaguar. Un jaguar, monsieur Saint-Lévy? Ah ben, on ne serait jamais douté de ça. Monsieur Saint-Lévy. C'est un puce. Ben, pingouin. Ben alors, le jaguar, qui est-ce? C'est mon amant. Votre amant? Et monsieur Saint-Lévy? Ah, je suis sa maîtresse. Ouh, comme c'est compliqué tout ça. Si jamais monsieur Saint-Lévy apprend, couper les vivres. Et le jaguar n'a peut-être pas le rond. Oh, je m'en fous, mon carrière artistique. Je ne suis pas une artiste. Je suis une femme qui vibre comme un violoncelle. Yeah. Et là, et là, et là, et là, et là, et là, et là. Ah, c'est le jaguar violoncelliste. Comment s'appelle-t-il? Son petit nom, Chachaoura. Hein? Il est brésilien. Brésilien? Il veut m'en marier. Il veut vous marier avec qui? Avec lui. Et puis je partirai aller l'autre côté de la terre, en dessous de la lune, pour faire l'amour avec les chants des oiseaux.
oiseau de paradis, capricante gazelle, malibendule. Mais c'est le jardin des plantes. Allez-vous donc, je vous vole. Oh, vous êtes nerveuse. Vous avez encore bu du café. Vive le Brésil! Entrez! Votre linge, mademoiselle? C'est la première fois que vous venez dans les coulisses d'un musical, mademoiselle? Oui. Ah, vous savez que Zouzou m'a tellement parlé de vous que je vous connais déjà un peu. Oh, moi aussi. À l'atelier, elle ne parle que de vous. Alors, comme ça, vous êtes blanchisseuse? Oui. Ah, c'est un joli métier. Oh, oui. Moi, c'est un métier qui m'aurait bien plu, seulement blanchisseuse pour un homme. Oh, hein, évidemment. C'est... Ça y est. Ça y est. Ça y est. Elle est gentille, hein. Oui. Dis donc, Zouzou, on va peut-être finir plus tôt ce soir. Tu veux qu'on aille danser? Oh, chouette alors. Hein? Mais dis donc, Jean, il faut emmener Claire avec nous. Ah, ben moi, je veux bien si mademoiselle Claire n'y va pas l'inconvénient. Mais je ne vous gênerai pas? Oui. Si vous ne gênerez pas. Que bête, quand même. Oh, j'ai envie de danser. Bon, ben alors, je vous retrouve tout à l'heure, hein. Moi, je vais travailler. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en quand elle passe en roulant des mirettes, plus d'un gars du quartier lui dit sans se faire prier: viens, Fifine, viens, Fifine, au petit bal du Sébasto. Oh, 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 oh. Viens, Fifine, viens, Fifine, danser avec mes zigots. Oh, 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 oh. T'as pour plaire ta voix claire, ton tapalo, ta primousse, ta peau douce, ton air fier. Oh, oh, viens, Fifine, viens, Fifine, tu me feras devenir dingo. Oh, 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 oh. Passe la monnaie, passe la monnaie. Passe la monnaie. Elle danse bien, hein? Ah oui, elle était pas tendre. C'est clair. Est-ce que t'as vu, toi? Bien sûr. Eh ben. Tiens, regarde notre bon là-bas, il s'amuse. Gilo. Gilo, t'emmerdes. Allez, mademoiselle. Oh, mais pourquoi tu l'appelles mademoiselle? Tu t'appelles Claire. Alors vous m'appellerez Jean. Oh, bravo. Tu viens gâcher mon bleu? Comment, monsieur? Viens. Mais qu'est-ce qui vous prend? Viens, une belle fille comme toi reste pas assise, le condom. Oh, 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 oh. Allez, cocotte, on s'en va. Allez, dansez, vous deux, vous occupez allez, pas de... Allez, 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 dansez. Allez, fais rien, fais rien, fais rien. Non, mon Dieu, quoi alors? On sait rien, va. Ouais, alors, tu veux nous faire avoir des histoires, mon vieux.
Brave malheur, je vous retiens. C'est pas de ma faute, mon petit bonhomme. Là, ouais. Ya da 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 oh na 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 ya da na 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 na. Oh, cette pauvre Zouzou, elle tombe de sommeil. Ah tiens, voilà la clé, monte te coucher et puis moi je vais raccompagner Claire. Mais non, c'est pas la peine, j'habite à deux pas. Mais si, si, il va te ramener. Bonsoir, petit Claire. À demain. Ah. Ah, Zouzou, il me semble que tu mènes une vie de bâton de chaise. Papa Mélé, si tu savais comme j'en sais battu. Ah. Encore. Encore. Une espèce de brute voulait me prendre. Alors, Jean, et puis, et le pas, et le pas, et le pas. La brute, sur la table. Avec un œil. Et un nez. Oh, papa, c'était beau, tu non, sais. C'est dégoûtant. Je suis tellement heureux. Allez, allez. Zouzou, alors, alors, va vite te coucher. Bonsoir, hein. Papa. Bonsoir, mon petit. Et ça. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Alors, quand est-ce que je vous revois? Je ne sais pas. Demain? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Maintenant, il faut que je rentre. All right, girls. Barry, Queenie, come on, get on your places. Get on your places, you miss. Quick. Yeah. Oh, come on, watch around. Watch around. Watch around. Left. Molly. Toujours la même chose. Damn. All right, girl, 5 minutes rest. Mais où est-elle, bon Dieu? Monsieur de Saint-Lévy, où est Miss Barbara? Où est Miss Barbara? Mais je l'ignore, cher ami. Oh, ça alors, c'est le bouquet. Non, écoutez, Saint-Lévy, vous avez devant vous un homme prêt à commettre un crime. Un crime, cher ami? Un crime, oui, un crime. Et un crime peu banal. Un directeur de théâtre est un anglais en commanditaire. Ça ne se voit pas tous les jours, ça. Albert! Monsieur. Allez chercher Miss Barbara. Amenez-la-moi, Venturi, ou je vous fais la porte. Quoi? Vous faites la locomotive, maintenant? Non, écoutez, je suis sûr que Miss Taisez-vous. Barbara... Taisez-vous! En ce moment, vous parlez à un cadavre. Un cadavre qui a au moins 50 de fièvre. Miss Barbara! Écoute, Max, j'ai encore quelque chose à te dire. Sois sage, mon amour. Tu sais lire? Allô? Oh, je suis si gravement malade. Oui, je crois que c'est la choléra. Bon, je vais me poser sur mes pieds et je viens. Tu n'as pas été là-bas sans moi. Et si tu partes, ça sera dans une boîte avec un couteau planté dans ton cœur. Si tu as un cœur. Chachachoula, n'est-ce pas que tu n'iras pas au Rio sans moi? Barbara, il faut que je parle. Je t'ai déjà dit. Mais tu me dis déjà aussi que tu voulais me marier. J'ai tout abandonné pour me donner à toi. La fortune du pingouin, je ne le jette pas à la fenêtre. Tiens, bientôt. Chachachoula, comment s'appelle cette poisson qui reste plus sur le trottoir? Tu as une macro. De quoi vient-il, oui?
Alors? Je suis parti. Mais oui, tout va être livré. Ah, on peut tout de même pas couper en quatre. Oui. 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 Vous aurez tout dans un quart d'heure, là. Allons, qu'on se dépêche pour les paniers des folies. Non, je les sens là-bas. Oh là là, quel rasoir. Oh, vivement dimanche. Racontez les costumes. Oui, oui. Voilà. Merci. Dis donc, Claire, tu viens? Je peux pas aujourd'hui, j'ai trop de travail ici. Mais pourquoi? Mais va avec mon frère, Pierre. Accompagne Zouzou, Claudie. Bon, si tu veux. Oh, chouette, elle a long. Mes enfants, pas dis-toi, vous prendrez un taxi. Vous donnez le dernier, tout pour boire. Pas un plus, hein. Le gérant du Moulin Rouge a encore tout pété. Son plafond n'était pas assez amidonné. Tu vois quoi, t'es devenue muette? Non, non. Claire, tu me caches quelque chose. Mais non, maman. Claire, mais parle donc, mon Dieu, tu ne vois pas que je suis sur des charbons ardents? Oh, une mère s'est fait provoir tous les ennuis de la terre. Un de plus, un de moins. C'est au sujet de Zouzou. C'est pas pour Zouzou que tu te mets dans un état pareil. Si. Je vais te dire, maman. Zouzou et Jean étaient comme frères et sœurs. Jean? Quel Jean? Je le connais, cet homme-là? Mais laisse-moi finir, maman. Mais Zouzou est amoureuse de Jean. Et si tu savais comme elle l'aime? Ça n'a pas quoi d'étonnant à ça. Toutes les jeunes filles ont le droit d'être amoureuses. Et moi, je suis amoureuse aussi. Qu'est-ce que tu dis? De Jean. Et je sais qu'il m'aime. Sainte Thérèse, bonjour Claire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma petite fille, ce Jean, c'est le machiniste. Il est électricien. Électricien. Si ton beau-père voyait ça. Et Zouzou l'aime tellement. Et moi, je l'aime tellement. Et j'aime tellement Zouzou. Elle sait, Zouzou. N'ose pas lui dire. Et ce monsieur Jean, il pourrait pas lui dire, lui? Lui, il ne comprend pas. Il ne peut pas croire. Eh ben, il en fait du propre, ton électricien. Les hommes, c'est tous des monstres. Changez-moi, le dimanche, on va danser, ça me change d'idée. Le mien, il me trompe, mais il m'aime tant. Avec une hispano d'occasion, forcément, on plaît aux femmes. Et ton étudiant égyptien? Il est retourné dans sa famille. Est-ce qu'il reviendra? Les étudiants égyptiens, ça revient jamais. Qu'est-ce que vous en savez, vous? J'en ai connu un autrefois, je l'attends toujours. C'est une honte, vous entendez, c'est une honte. Il y a longtemps qu'il n'avait pas gueulé, celui-là. On n'aura jamais vu un approche pareil depuis Dany. Oui, une revue, ça, laissez-moi rire. Je sais, il y a le miracle. L'événement qui se produit au dernier moment et qui arrange tout. Ah. Le concierge de l'établissement qui découpe tout à coup une vocation de grand comique. Ah, oui. La petite ouvreuse qui, dans les 24 heures, devient la star des stars. Mais je n'y crois pas, moi. Je vous jure. Que si je dois produire cet ordi? Ah non, 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 permettez. Je sais, vous n'y connaissez rien. Non, foutez-moi la paix. Bon. Allez, allez, vous en faites pas. Habillez-vous, habillez-vous. Oh, j'ai les cœurs gonflés comme un ballon. Il veut partir. Il a déjà retenu sa cabine sur le bateau. Il s'en va de Jaguar. Il s'en va dans son effroyable plaisir. Et moi, je ne peux pas vivre sans lui. Oh, Joseph, si tu savais, quand il me prend... Richard, son Jaguar. Jaguar, que Jaguar! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Oh, mais qui? Oh, mais elle va pas se comme ça, il t'enveloppe peut-être à côté. Oh.
Maxtron. Vêtements, Léon Bastien, coréaliste théâtral à l'écho du jour. Pouvez-vous me donner... quelques tuyaux sur ma nouvelle revue. La voici, cher monsieur. En un mot, ce sera une panne. Une véritable panne. Attends. Mais tiens-toi d'endroit, grande sauterelle. Une fois que tu fais griller mon sandwich. Eh ben tant mieux, c'est mauvais de manger froid. Allez, hop. Jean! Oh, mais t'es pas folle? T'es pas bien, Jean? Si, t'es bien, t'es gentil comme ça. Et alors? Ça va la place de poire ou tiens, je vais régler mon protecteur. Oh, mais je ne sais pas. Non, bah, allez, va, va, n'aie pas peur. Mais Jean, regarde! Allez, non, pas peur, voyons, le rideau est baissé. Là, tourne-toi un peu à gauche maintenant. Encore. Là, et viens par ici. Viens, tout doucement. Ah, ça va, bouge plus maintenant. Ah, t'as fini de manger, toi. Après. Après, il me quitte. Il part pour Rio. Ah, de Janeiro? Je vais mourir. Oh, mais non, vous n'allez pas mourir. Quand est-ce qu'il part? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Et vous ne pouvez pas le retenir? Et vous ne pouvez pas vous penser de lui? Ben alors, tuez-le. Non. Et le suicide, ça ne vous dit rien? Je comprends ça. Et est-ce que vous avez le mal de mer? Non. Eh ben, partez avec lui. Mais il ne veut pas. Eh, qu'est-ce que ça peut faire? Il a loué une cabine ou tout le bateau? Cabine. Cabine, eh ben alors, il reste encore de la place pour vous à bord. Si vous l'aimez, faut pas le lâcher. L'amour, c'est comme l'électricité. Pour que ça marche, faut du contact. Moi, je vous le dis. Oh, tu me sauves la vie. Tu as un amour. Ah, je te tiens. Viens, lui, je vais pas tomber perdu. Allez, allons, viens, viens. Caviar, matin et soir. Un contrebande. Non, 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 non. Un contrebande. Je suis une onde. Où est Miss Barbara? Mais justement, je l'avais. Je vous dis pas de gondre. Où est Miss Barbara? Où est Miss Barbara? Ne la grondez pas, c'est une enfant. Boum! Ah, vous, alors, foutez-moi la paix. Vous attendez, Barbara. Miss Barbara. On sait, Miss Barbara. Miss Barbara. Allez, grouillez-vous, grouillez-vous. Oh, je suis perdue. Le train, il part dans une demi-heure. On oui, s'aime, Miss Barbara. Je viens tout de suite. Je suis dans mon bain. Je suis tout à fait nue. Et
Parlez encore. Oh, chère petite trompe, voilà. Je sors de ma baignoire. Un bain? Quel point un bain? Ah, pour le savon, comptez sur moi. Le train part dans 23 minutes. Oui. Un chirurgien. Appelez-moi un chirurgien. Allez. On parle avant, c'est l'amour. Mais l'amour est plus fort que la mort, voyons. Il trappe avant combien de temps? 19 minutes. Eh ben 19 minutes, il n'y a pas de temps à perdre. Moi, je me rappelle une fois quand j'étais marin, vous pensez que je suis descendu par... Enfin, je vous raconterai ça un autre jour, on n'a pas le temps aujourd'hui. Dites donc, n'ayez pas peur, vous attrapez à mon cou, vous vous serrez bien contre moi, hein. Il n'y a pas de danger. Pas de pétard. Combien vous posez? 60. 60, ah, vous êtes en bonne santé. Allez, hop, allons-y. Attention, hein. Attention, là. Attrapez-vous, attrapez-vous. Là. Qu'est-ce qui ne va pas, Zizou? Tu fais une drôle de tête. T'as perdu ton porte-monnaie? Ton amour est trop. Ben oui. Jean? Il m'a trompée. Je suis entrée chez cette femme. Quelle femme? Cette femme. Ils sont brassés. Jean n'a pas fait ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est bien vrai, Claire. Zouzou. Zouzou. Je suis avec toi, je vais. Tu finiras. Oh, non, au revoir, Claire. Au revoir, mon chien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu vas prendre plus, mon petit chien? On l'a retrouvé sur la piste, alors fatalement. Papa. Mais... On va chercher le docteur. Attendez. Attendez. Hein? Réponds-moi. As-tu mal? Zouzou. Ma petite Zouzou. Jean. Jean, veux-tu la laisser tranquille? Mesdames, messieurs, ce soir, pour la première fois dans cette ville, ah, bravo, bravo les enfants, à l'avant la musique. Papa Mélée, Jean.
bien, Claire, la java des copains? Tais-toi, Vin. On danse pas? J'ai pas envie. Ah, c'est drôle, il y a des jours comme ça, on n'est pas en train. On sait pas pourquoi. T'as des cigarettes? Bah, je vais en chercher, il y a un tabac au coin. Rendez-vous doré? Oui. Gilot, tu vas pas te débiner comme ça. Fous-moi la paix. J'étais dans le coup de la bijouterie. Oui. Alors, rien de 5 sacs pour moi. Je te dois rien, je te dis. Tu vas me donner mes 5 sacs ou je te crève? Je sais pas. T'as compris? Et je te dois rien. Je veux ma part, t'as compris? Alors, là, tu... Garé chez moi, l'autre soir. Tu y étais, tu te rappelles? Mais c'est pas lui, voyons. Il était allé chercher des cigarettes. Mais dis-leur donc qu'il était allé chercher des cigarettes. Mais dis-leur donc! Ah, poussez pas, voyons, allons. Poussez pas. Oh là là! C'est pas lui! C'est pas lui! Jean! Mais puisque je vous dis que c'est pas moi, sans blague. C'est pas lui! Oh! Jean! C'est pas lui! C'est pas lui! Je l'ai vu! C'est pas lui! Jean! 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 Jean, ça me met les mains! Quoi? Jean, me laisse pas! Me laisse pas, Jean! Jean! Ne fais pas de bile, va, ça s'arrangera. Jean! Avait besoin d'aller acheter des cigarettes. C'est moi qui lui ai demandé. D'abord, toi, je t'avais défendu de fumer. Est-ce que je te l'avais défendu ou si je te l'avais pas défendu? Une mère, ça prévoit tout. C'est si mauvais le tabac. Tu vois le mal que ça peut faire. Et ce grand imbécile, pourquoi est-ce qu'il est allé ramasser ce revolver? Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Maman, il faut absolument faire quelque chose pour lui. Il faut. Pour aller en prison, il faut voler un peu d'argent, mais pour en sortir, il faut en donner. Et beaucoup. Il y a bien des innocents qui sont pauvres. Un innocent pauvre, c'est un coupable. Et Zouzou, tu n'as pas de ses nouvelles? Non, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Tu es retourné au commissariat? Oui. Le commissaire n'était pas là. Il est donc jamais là, celui-là. Oh, pauvre Jean. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus. Donne-lui un sandwich. Moi, je suis allé le voir, moi, son avocat, Jean. Qui est-ce? Un type qu'on a nommé l'office. Il m'a même pas laissé raconter ma petite histoire. Oh, ça, bien sûr. Tiens, Zouzou, si on avait du fric, ben, ça ne se passerait pas comme ça. De l'argent, de l'argent. Et alors? Je vais lui téléphoner à ce moment-là. Hé, pour lui dire. Oui, mais je ne sais pas la famille, non? Non, Georges est tellement jaloux. Passe-moi la moutarde. J'ai pris des leçons de chant et je fais la commère maintenant. Tu m'entendras, qu'est-ce que tu dois gagner? Avec les matinées, ça me fait 2000 par mois. C'est joli par les temps qui courent. On sera bientôt ton nom sur la fiche. Une villa à Robinson avec un jet d'eau, une concierge. Un autre métier, tu sais. Quand on a du talent, on arrive à tout. Sacré Gabi, je parie que tu arriveras de quitte de Paris. J'ai même un carnet de chèques. Avec des chèques? Ben tiens. Il fait dire qu'il est parti. Il fait la semaine anglaise. Je vais te parler demain. Et alors? Je voudrais voir M. Trump. Tu crois qu'il me recevra? Et comment qu'il t'en recevra? Oh. Alors, ça va?
cette inouïe. Lorsque l'on vous voulait, vous êtes parti. Maintenant qu'on ne pensait plus à vous, vous voilà. Et qu'est-ce qui vous prend? C'est que voilà, monsieur. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Vous êtes toutes les mêmes. Vous me prenez pour un Crésus. Qu'est-ce que vous imaginez? Ah, ah, merci. Il y a un peu de convenu entre nous. Je suis prêt à vous le donner. Vous voulez une augmentation? Il y a du succès. Faites vos preuves devant le public. Il y a un triomphe. Là, je vous fais un pont d'or. Une expérience comme celle-ci, Miss Barbara? Ah, non, non. Ça suffit dans la vie d'un homme. Oh, ma chère chérie. Ah, non, non. Non, ça... J'assure. Ah, c'est quelqu'un, messieurs. Je vous jure que ça n'a pas été une petite affaire d'obtenir la permission, et à quel prix, de la présenter en exclusivité au public parisien. Toutes les villes de l'Amérique du Sud se la disputaient. Sa tournée au Transvaal a été triomphale. Londres lui faisait un pont d'or. Partout passait son train, sur des kilomètres et des kilomètres. La voie était jonchée de camélias, sa fleur préférée. Mais c'est Paris qui l'attirait. Paris, la ville lumière. Et voici pourquoi Zouzou... Vous allez jouer un rôle? Non, c'est mon speech que je répète pour les journalistes. Pourvu qu'on leur raconte des boniments, ça les amuse, ils en vivent. Et... Nom de Dieu, l'horizon! Ah, des fétiches! Que vous faites? Les bons moteurs! Lequel? Le cocu! Mon Dieu, faites-moi un succès. Comptez sur lui. T'énerve pas, tu as le temps. C'est la forêt qui passe. À ta place, j'aurais le trac. Je devrais pas te dire ça. T'as pas le trac, toi? Non. Oh, tu en fais une tête, pourtant. Oh, parce que tu penses encore à lui. Qui est là? On peut t'entrer? Non, impossible. Nous sommes toutes nues. Elles sont plus connues. Enfin, on va pas le garder en prison jusqu'à la Saint-Glinglin. Tu dépenses assez de fric pour lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'avocat? Thank you.
Bien folle. Mais regarde, regarde. Mais là, mais c'est l'homme qui a tué Joulon, c'est lui. Oh. C'est pas possible. Oh. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Mais je pars. Comment tu pars? Vite, vite, mon menton. Mais tu es folle. Eh ben, il a revu. Oh.
Tu iras un jour, un autre jour, demain, après-demain, quand tu auras le temps. Mais là, c'est ta scène qui commence. Mes chaussures, Joseph. Je ne peux pas te donner tes chaussures, c'est impossible. Oh. Mais réfléchis, Zouzou. Tout Paris dans la salle. Il y a des ministres, des ambassadeurs. Je m'en fiche. Oh, tu ne t'en iras pas. Tu ne t'en iras pas. Oh. Ou tu me passeras sur le corps. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà sa scène qui commence. En scène! En scène! Regardez-le bien, mademoiselle. Vous pouvez vous tromper, c'est très grave. Non, je ne me trompe pas. Vous êtes bien sûr. Il a sauté devant moi dans la rue. J'ai vu sa main sur la... sur la... Sur quoi? La balustrade. C'est pas moi. Je vous le dis que c'était pas moi, voyons. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, sa main? Elle lui manque un doigt. Celui-là. Hein? Il a aussi une cicatrice, là. Je vous dis que c'est pas moi, voyons. Est-ce que je vous dis que c'est pas moi? Eh bien, montre-la ta main si c'est pas toi. Hein. Je vous dis que c'était pas moi, voyons. Quoi? Hein? Allez. Ouais. Allez, emmenez-le. Venez, asseyez-vous, mademoiselle. Merci. Et maintenant, racontez-moi comment tout cela s'est passé. C'était le jour de la mort de Papa Mélé. Il pleuvait. Jean et Claire étaient allés danser. Allons! Allons, mesdames! Allez, allez! Allez! Ah, mon cher, mon inimitable vous seul pouvez me tirer de là. Ah, bah oui, mais je danse très mal. Barbara, oui, Barbara. Elle m'a envoyé une carte postale. Mais qu'elle vienne qu'on aille la chercher. Vous en avez besoin tout de suite? Immédiatement. Ah, mais elle est à Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Elle est arrivée. Mais qu'elle vienne. Elle est dans sa loge. Mais qu'elle aille la chercher. Elle monte. Mais qu'elle descende. Qu'elle descende. Joseph,
Arrêtez-vous, c'est une honte, voyons. Non, mais dépêchez-vous, Josette. Mais elle est toute nue, elle est toute nue. Vivi, laissez-la passer, Vivi, sur le bateau. Juste là, Josette. Moi, j'étais sûr qu'elle reviendrait. Ah, oui, le temps où j'aurais fait des folies pour un homme. C'est ce que je me demande. Rien y faire, mon cœur est pris par lui. Je crois j'en perds la tête, il est si bête qu'il ne l'a pas compris. Pour moi, y a qu'un homme dans Paris, c'est lui. Je passerai dans un trou souris pour lui. Chaque jour, je l'adore, bien plus encore. Pour moi, y a qu'un homme dans Paris, c'est lui. Pour moi, y a qu'un homme dans Paris. 20 fois par jour, par douzaine, des messieurs très amoureux me proposent une vie de reine pour que je me donne à eux. Y en a qu'un qui a su me plaire. Il est méchant, il n'a pas le sou. L'histoire ne sont pas claires. Je le sais bien, mais je m'en fous. Il est si bête qu'il ne l'a pas compris. Chaque jour je l'adore, bien plus encore. Pour moi, y a qu'un homme dans Paris, c'est lui. Pour moi, y a qu'un homme dans Paris. Attends, Zouzou. Oh, merci, Jean. Il sortira de notre train. Oh, debout.